Amen. Béni soit Dieu. Vous m'entendez bien? Gloire au Seigneur. Ce moment est important. Il est solennel. Ce soir, dans ce lieu, il y a plus que des hommes. Il y a plus qu'un message d'homme. Il y a Dieu qui veut donner un avertissement. Il y a 2000 ans que Dieu prévient le monde impie. Que Dieu prévient le monde pécheur. Que bientôt un feu va s'abattre sur la terre. Car le pécheur ne restera pas impuni. Et l'injuste connaîtra sa condamnation. Dieu est amour. Et il prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Mais celui qui foule aux pieds le sacrifice du Christ, en le refusant consciemment, connaîtra sa condamnation. Il n'y a pas de rachat en dehors du juste. Il n'y a pas de rachat en dehors de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qui n'en a pas conscience? Aujourd'hui, le peuple est enseigné. Aujourd'hui, les inconvertis au milieu de nos rangs pourraient enseigner ce qu'il faut faire dans l'Évangile. J'ai déjà vu, moi, des inconvertis sur un marché parler à des sédentaires qui passaient et leur expliquer qu'il fallait accepter Jésus pour être sauvé, eux-mêmes ne l'ayant pas accepté. J'ai déjà vu des cousins à moi expliquer les doctrines de la parole de Dieu. La différence des différents baptêmes et puis tout. Ils ne s'étaient même pas baptisés eux-mêmes. Dieu punira Capernaum, la ville incrédule, qui voit les miracles, qui voit le Christ agir, qui entend la prédication du Fils de Dieu, mais qui ne se repent pas. Combien de temps encore vas-tu vivre dans ton péché? Combien de temps encore vas-tu tourner le dos à la croix du calvaire? Arrête de dire « je sais » car bientôt tu iras dans un lieu où il n'y a point de retour. Dans ce lieu, le mot « espérance » n'existe plus. Le mot « pardon » n'existe plus. Le mot « retour » n'existe plus. À l'entrée de ce lieu, il y a écrit « celui qui entre ici doit oublier toute espérance ». Et celui qui dit aujourd'hui, mais je sais, t'ira pour l'éternité, si j'aurais su. Si j'aurais su. Peut-être que tu dis en toi-même, Dieu est amour, il me sauvera. Ne te trompe pas toi-même. Rien d'impur et de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Rien. Dieu est amour, mais notre Dieu est aussi un feu dévorant qui jugera le monde selon ses œuvres. Celui qui doit revenir revient bientôt avec sa rétribution, donnant à chacun selon ses œuvres. Et ce qui était caché dans les ténèbres paraîtra à la lumière du jour. Dieu a besoin aujourd'hui de Jean-Baptiste. D'hommes qui se lèvent face au monde pécheur, à l'incrédulité, face à la légèreté. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, sortez du péché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui qui doit revenir
reviens. Sortez du feu. Ne sens-tu pas déjà les flammes qui brûlent sous tes pieds? Ton péché te mène en enfer. Ton péché a fait une alliance entre toi et la mort. Mais à la croix du calvaire, le sang proclame le divorce. Entre toi et la mort, entre toi et l'enfer, pour une nouvelle alliance de vie et éternelle, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est amour, il me sauvera. C'est peut-être ton raisonnement. J'aimerais te dire que Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas faire de parti pris. L'homme fait du parti pris. Il est plus facile pour nous d'aimer nos familles et de les pardonner que d'aimer et de pardonner un étranger. L'homme fait des distinctions. L'homme est plus prompt à pardonner ceux qu'il aime que ceux qui le haïssent. Mais pas Dieu. Dieu est juste. Amen. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui d'ombre de variation. Il n'y a point de défaut. Dieu est parfait dans sa justice, dans sa sainteté et dans son amour. Dieu te pardonnera seulement par la fidélité à sa propre justice. Il est écrit dans l'épître de Jean, chapitre 1, au verset 9, si nous avouons et délaissant, si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tes œuvres évangéliques, ta connaissance de la Bible, les miracles qui se sont passés dans ta famille, et même si ton cousin, ton père, ton frère est pasteur, diacre ou chrétien, cela ne te sauvera pas. Ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles tu assisteras qui te sauvera. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur qui te sauvera. Non, non, non. C'est la justice de Dieu à la croix à travers le sang. Car il n'y a que le sang du juste qui paye Dieu le Père afin que tu sois sauvé. Mais si tu viens avec le sang, si tu viens avec la croix de mon Dieu le Père, alors il ne peut rien faire d'autre que te pardonner. Parce que Dieu est fidèle à sa justice. Et la justice de Dieu est satisfaite dans la croix du calvaire, à travers le sang de l'agneau. Et là, quand tu viens avec le sang, le pardon, il est certain. C'est pas peut-être. Il est certain, il est immédiat et il est parfait. Il te pardonne totalement. Et parfaitement. Car il veut ôter le péché de ta vie. Car le péché est une barrière entre toi et Dieu. Malgré que tu connais, malgré que tu es au milieu de ceux qui portent son nom, malgré que tu habites au milieu de la ville, du quartier, que tu viens à l'église, que tu entends les cantiques, tu dis Amen, tu dis Alléluia, tu connais des cantiques, quand on va prêcher, tu connais la fin de la prédication, cela ne te sauvera pas. Malheur à toi, Capernaum! Si les miracles seraient passés au milieu de toi, seraient passés à Sodome et Gomorre, ils seraient repentis avec le sac et la cendre. Tu as vu le Christ changer les vies, tu as vu le Christ guérir des malades, tu as vu sa puissance se manifester par son esprit et tu restes incrédule. Il aurait mieux valu pour toi ne rien connaître. Car ton jugement sera pire que celui de Sodome et Gomorre. Ô Capernaum, repends-toi. Sors de l'incrédulité. Romains 3, verset 10, il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Psaume 49, verset 7, il est écrit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Et là, David va se poser une grande question, le roi David. Au verset 8, il va dire, le rachat de leur âme est cher.
il n'aura jamais. Il avait compris que la loi, que les sacrifices animaux, que la sainteté des prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient racheter ou sauver l'homme. Il fallait quelque chose, quelqu'un, excusez-moi, de bien plus précieux. Il fallait le diamant de la grâce, plus précieux que les pierres de la loi. Il fallait le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est venu dans ce quartier, comme il est venu à Capernaum. Et sa voix résonne dans ses rangs. Sa voix résonne dans ce quartier, à travers des chants, à travers des témoignages, à travers des prédications qui viennent du Saint-Esprit. Et Dieu te parle tous les jours. Ne te plains pas que Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu t'a parlé de multiples façons. À travers le sourire d'un chrétien, à travers l'hospitalité d'un chrétien, à travers l'amour de Dieu qui vient d'un frère, rempli de l'amour qui vient du Saint-Esprit. Tous les jours, Dieu te parle comme un œil nu. Dieu te fait voir son Église sanctifiée. Et tu sais que cela est vrai. Et tu restes dans ton péché. Malheur à toi, Capernaum. Malheur à toi, fille incrédule. Toi qui connais la vérité, mais qui la jette en terre dans la poussière et la foule aux pieds. Si les miracles qui seraient passés parmi toi, au milieu de toi, seraient passés à Sodome et Gomorre, ils seraient repentis avec le sac et la cendre. L'homme ne peut pas être justifié de lui-même. Et Dieu le prouve par la loi. La loi, c'est la morale de Dieu. Dieu va donner la loi à Moïse. Il va nous donner 613 préceptes. Il va nous donner 10 commandements. Si on était coupable envers un seul, on devenait coupable contre tous. Il était impossible à l'homme, et il est toujours impossible à l'homme, d'accomplir toute la loi. Alors pourquoi la loi? La loi vient donner les bornes de la transgression. La loi est la force du péché. Et le péché est la force de la mort, nous dit 1 Corinthiens 15, verset 22. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui ne pêche pas accomplit toute la loi. Et celui qui accomplit toute la loi ne mourra pas. Cela est impossible à aucun homme, à aucune femme. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit Romains 3, verset 10. Alors Dieu devait punir le monde agi à cause de sa sainteté. Aucun homme sur la terre ne pouvait racheter l'autre et donner le prix du rachat. Regardez ce qu'il écrit. Romains chapitre 18, Genèse chapitre 18, excusez-moi, verset 16. Voulez-vous qu'on lit la Bible? Amen. Amen. C'est important de lire la Bible. Amen. Amen. Il faut qu'un prédicateur ouvre la Bible dans la prêche. Il faut qu'il lise la parole de Dieu. Car ce qui est important, ce n'est pas ce qui sort de sa propre pensée, mais c'est ce qui sort de la parole. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est écrit dans Genèse chapitre 16. Là, il y a deux anges et l'Éternel lui-même qui vont venir vers Abraham. Et là, Dieu va avoir une conversation avec Abraham au sujet du monde impie qui doit mourir à cause du péché. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome.
Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Je veux vous dire que notre génération l'a bien envié à cette génération. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le serai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, fera-t-il aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire périr le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme le méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui touche toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, s'il se trouve 50 justes, alors je ne punirai point la ville et je le pardonnerai. Alors Abraham dit, Seigneur, peut-être il se trouvera 40 justes. Et Dieu dit, pour ces 40, alors je ne détruirai point la ville. Abraham va dire, mais Seigneur, s'il se trouve 30 justes. Et Dieu va dire, s'il se trouve 30 justes, alors je pardonnerai cette ville. Abraham va dire que l'Éternel ne s'irrite pas contre son serviteur, s'il se trouve 20 justes. Et Dieu dit, pour ces 20, je ne détruirai point la ville. Abraham va reprendre la parole. Quelle persévérance, quel amour, quelle intercession. Il va dire, Seigneur, j'ai osé parler au Tout-Puissant, je parlerai et je me tairai. S'il se trouve 10 justes, alors Dieu dit à Abraham, pour ces 10 justes, je ne détruirai point la ville de Sodome et de Gomorre. Dieu descendit et il trouva Lot en dehors de la ville de Sodome et Gomorre. Parce qu'il est écrit que Lot avait établi son camp en dehors de la ville. Il est écrit que Dieu ne trouva pas un seul juste dans cette ville. Et la Bible dit que l'Éternel fit pleuvoir de la part de l'Éternel du feu et du soufre. Et il va détruire ces villes de Sodome et de Gomorre, parce qu'il n'a pas trouvé un seul juste. Aucun homme n'était assez juste dans cette ville pour racheter les autres. Aucun homme n'était sans défaut, sans péché, pour que Dieu puisse les pardonner par sa vie. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi, malgré le péché aujourd'hui, malgré l'iniquité, malgré les ténèbres qu'il y a parmi nous, pourquoi Dieu n'envoie pas le feu? Pourquoi il ne nous détruit pas comme Sodome et Gomorre? Pourtant il est juste, pourtant il est saint. Pourquoi Dieu est patient comme cela? Parce que Dieu a trouvé un juste. Amen. Amen. Dieu. Alléluia. Il a trouvé un juste parmi nous. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu et il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Il a été tenté comme moi, comme vous. Mais il n'a point consommé le péché. Nous avons tous été tentés à l'intérieur. Lui, il a été tenté de l'extérieur. Mais le péché n'est point entré en lui. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi. Et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Et à travers cette vie sainte, à travers le juste, il est écrit, Ésaïe 59, verset 16, l'Éternel voit et regarde, et il n'y a point d'homme. Il est désolé que personne.
personne n'intercède, il ne trouve pas de médiateur pour les sauver. Personne ne peut se racheter, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ésaïe 53 nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, semblable à celui dont détournent les regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait même plus l'aspect d'un homme, semblable à un ver, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Cependant, il avait une beauté qui éclate pour attirer le regard. Cependant, c'est nos péchés qu'il a portés. C'est pour nos iniquités qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous pouvons être guéris. Et il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance en livrant sa vie en expiation pour le péché. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 29, il est écrit ce qui s'est passé du temps de Noé. Arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, il est écrit que Noé a condamné le monde par sa justice. Parce que la justice de Noé ne pouvait sauver que Noé. Parce que la justice de Noé avait des failles. Il a construit une arche en bois et il a sauvé 8 personnes. Mais est venu un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, sa justice était sans faille. Il a porté une croix en bois. Et lui, il peut sauver l'humanité. La grâce de Dieu se déploie. La voix du Fils de Dieu crie dans vos rues. Elle crie dans cette église, elle crie dans ta maison, elle crie dans ton cœur. Repends-toi, car le feu arrive. Celui qui doit revenir revient avec sa rétribution. Repends-toi, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 11, versets 23 à 24. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Tsoar, malheur à toi, Capernaum. De ce que tu as vu, de ce que tu as connu, de ce que tu as entendu. Car si les miracles qui sont passés au milieu de toi seraient passés au milieu de Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis avec le sac et la cendre, alors ta condamnation sera pire. Jusqu'à temps vas-tu rester incrédule. Jusqu'à quand vas-tu refuser la voix du Fils de Dieu? Vous savez, le véritable évangile présente le ciel, mais il présente l'enfer. Le véritable évangile présente le salut, mais il présente la perdition. Le véritable évangile présente le Dieu sauveur, mais il dit aussi qu'il est un juge saint qui jugera le pécheur. La grâce de Dieu coule encore. Le juste a été trouvé au milieu de toi. Et à travers sa vie sainte, tu peux être sauvé. Arrête de dire « je sais ». Arrête simplement d'écouter. Il est écrit que quand l'homme sortit de la ville, alors Dieu fait tomber le feu. Et bientôt l'église s'en va. Bientôt l'église s'en va. Romains 5. Verset 9, étant justifié par le sang, vous serez sauvés par lui de la colère. Et le texte original dit, vous serez sauvés du feu. Bientôt, ceux qui sont à la porte du monde, mais qui ne sont pas dans le monde, grottent les justes justifiés par le sang. Parce que Christ va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a la sainte église de Dieu ce soir ici. Et bientôt, elle s'en va. Dieu lui fait faire un voyage. Et quand l'église partira, le feu va tomber sur le monde impie. Repends-toi.
repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Il aurait mieux valu pour toi ne rien connaître et ne rien entendre. Car si tu meurs dans le péché, si tu continues à te droguer, à boire, à voler, à mentir, à avoir de la haine et de la colère dans ton cœur, à avoir le mensonge dans ta bouche et dans ton cœur, alors tu connaîtras ta condamnation. Haïs-moi si tu le veux, je te dirai quand même la vérité. Il faut que tu haïsses le péché ou que tu m'haïsses à moi, c'est pas grave, je te dirai la vérité. Repends-toi, Capernaum. Il y a trop longtemps que la voix du Fils de Dieu résonne dans tes rues. Viens vers Jésus-Christ. Amen. Approche-toi de la croix du juste et sois sauvé. Cette prédication ce soir peut être un salut pour toi ou une condamnation certaine si tu ne l'acceptes pas. Accepte Jésus. Amen. Accepte le juste. Toi qui dis en ton cœur, de toute façon, je serai chrétien, je viendrai, et l'ennemi te tient dans ta position. Si Dieu est bon, il me pardonnera. Non, Dieu est fidèle à sa propre justice. Toi qui te dis de connaître et d'expliquer, de savoir mieux que les pasteurs, mieux que les chrétiens, oui, mais tu sais, il vaut mieux savoir moins et être un peu. Je dis c'est bon et je vais m'asseoir. Que tu sois prêt ou que tu ne le sois pas, lui, il en revient. Dieu a destiné tous les hommes et toutes les femmes à être sauvés à travers la grâce. Mais tous ne le sont pas. Vous savez, moi je ne suis qu'un petit semeur comme mes frères. Ce n'est pas de ma faute si la semence tombe dans des pierres. Ce n'est pas de ma faute si la semence tombe dans des ronces. Ce n'est pas de ma faute si la semence tombe dans des cœurs qui sont au bord du chemin et qui ne font que douter ou se moquer. Mais je sais qu'il peut y avoir des bonnes terres. Et que la puissance de l'évangile peut toucher votre cœur ce soir. Sortez de Sodome, sortez de Gomorrhe. Sors du péché. Le feu va tomber sur cette ville. Le monde impie va être puni. Sors, sors, accepte de perdre ta vie et de la retrouver dans l'éternité. Car celui qui n'accepte pas de perdre sa vie ici-bas, la perdra pour toujours. Mais celui qui accepte de la perdre ici-bas, la retrouvera dans l'éternité. Repends-toi, Capernaum, où tu connaîtras ton jugement. Tu connaîtras ta condamnation. Repends-toi, Capernaum. Et viens vers le juste. Et sois sauvé. Que Dieu vous bénisse. Et vous remplisse de sa grâce. Maranatha. Jésus revient. Que Dieu vous bénisse.